Bonjour à tous, c'est Donald Info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et découvrir en même temps cette nouvelle enceinte Bluetooth de la marque Bose. Donc c'est la Soundlike Color 2. Donc c'est une enceinte pas mal du tout, on va découvrir ça tout de suite. Commençons par son design qui est très beau, qui elle est très robuste, elle est très très bien finie. Franchement voilà, niveau qualité c'est excellent. Elle est pas très encombrante non plus, vous voyez, elle est pas trop petite ni trop grosse, donc c'est nickel pour la taille. Moi je dis que ouais, c'est une taille normale, super bien. Après elle est pas très lourde non plus, elle fait que 582 grammes, donc c'est très correct. Parlons de ses caractéristiques techniques. Pour commencer, son micro qui se situe sur la face en haut, un micro d'une qualité moyenne. Ensuite, cette enceinte Bluetooth peut se connecter avec l'application Bose Connect qui est disponible sur iOS et Android, donc c'est une application gratuite. Donc j'ai jamais utilisé cette application, je peux pas trop vous en dire parce que voilà, il faut que je la teste, donc je vais la tester et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Ensuite elle intègre un haut-parleur stéréo, donc il n'y en a qu'un, il est stéréo, il n'est pas mono, donc c'est mieux le stéréo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette enceinte? Ici sur le côté on a une prise aux, qui veut dire auxiliaire, de 3,5 mm, donc là vous branchez ce que vous voulez. Par exemple vous pouvez brancher un MP3, et bien le son que vous avez sur votre MP3 il se sortira sur l'enceinte. Donc il y aura, ça, c'est plutôt cool qu'il y ait ça, parce que voilà, il n'y a pas que le Bluetooth, il y a encore le filaire aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Ça sert toujours le filaire. Elle est certifiée aussi IP65, donc c'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures d'eau. Donc ça peut être la transpiration qui tombe, ça peut être les éclaboussures d'une piscine, ça peut être les éclaboussures, la pluie qui tombe sur l'enceinte. On voit ça, tout ça, ça fonctionne. Par contre, si vous l'immergez sous l'eau, dans une piscine, dans une baignoire, voilà, ce que vous voulez, dans un ruisseau, là, elle est morte, elle est fichue, ça résistera pas. C'est pas conçu pour ça et ça sert pas à ça une enceinte Bluetooth. Donc voilà. Et pour finir, elle intègre le NFC et le Bluetooth, bien évidemment, parce que c'est une enceinte Bluetooth. Niveau ergonomie, on retrouvera le bouton Power Bluetooth auxiliaire volume moins. La touche aussi multifonction, donc celle-là servira aussi à passer des appels. C'est pour ça qu'il y a un micro sur l'enceinte Bluetooth. Et pour finir, on aura le bouton volume plus. Pour l'autonomie, Bose annonce 8 heures et ensuite on reviendra la recharger grâce au câble micro USB qui sera fourni avec, donc il n'y aura pas d'USB type C. Pour conclure cette vidéo, cette enceinte Bluetooth n'a pas trop d'aigu ni trop de grave. Donc quand je dis qu'il n'y a pas trop d'aigu ni trop de grave, c'est que le son il est correct, ça fait pas trop poum poum ou kiki, voilà, vous avez compris. Voilà, donc le son voilà, il est vraiment d'une qualité excellente. Si par exemple vous avez un son qui est un petit peu d'une mauvaise qualité sur votre smartphone, c'est possible que ça soit en mauvaise qualité. Je peux pas vous dire, donc s'il y a des grésillements, ça, c'est dû à ce que vous avez téléchargé. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que ça peut grésiller. Mais voilà, sinon si vous avez un bon son qui est bien clair, qui est bien propre, le son va bien sortir sur cette enceinte Bluetooth. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, moi franchement je vous la recommande. 117€ pour le prix, donc je trouve que voilà, le prix c'est ni trop cher ni trop pas cher. Donc voilà, c'est un prix volant qui est vraiment correct pour cette enceinte là. Je vous ai pas dit combien fait de watts, j'ai pas trouvé sur internet, mais d'après ce que j'ai entendu sur l'enceinte, elle fait entre allez, 10 et 15 watts, donc je pense qu'elle fait plus 15 que 10. Je peux pas vous dire exactement parce que je sais pas du tout, mais voilà, sinon je pense qu'elle fait entre 10 et 15, plus 15 que 10, mais voilà. C'est une enceinte que je vous recommande, il y a plusieurs coloris. Moi j'ai vu la colorie noir, blanc, rouge et bleu, donc je crois qu'il y a que 4 coloris. Il y a pas mal de choix, c'est des coloris en plus qui sont bien flash, qui pètent bien, qui sont d'une qualité super jolie, avec un contour en silicone. Donc voilà, c'est une enceinte que je vous recommande, achetez-la si vous n'avez pas d'enceinte Bluetooth, elle n'est pas très chère, et allez-y, foncez sur cette enceinte Bluetooth. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo sur cette enceinte Bluetooth de la marque Bose vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Je vous mets en description de vidéo un lien ou 4 liens séparés, voilà, en fonction des couleurs de cette enceinte Bluetooth sur Amazon. Donc vous pourrez l'acheter, il n'y a pas de souci. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi, je dis à plus pour une future vidéo. Salut !